Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur le nouveau Prince of Persia. Donc c'est parti pour la suite de Prince of Persia, The Lost Crown. Menolias, baisse ton arc! Écoute-moi! C'est Varam qui a tué Hassan! Je ne peux plus croire à ce que tu dis. Comment tu peux dire ça? Varam est en train de trahir la Perse! Nous prenons les armes pour que d'autres n'aient pas à le faire. Varam est le roi qui mettra fin aux guerres. Un roi n'assassine pas ses sujets! Aide-moi à l'arrêter. Varam porte un idéal bien plus grand que toi et moi. Eh bien, tu ne me laisses pas le choix. Il y a peut-être une parade. Thank you.
Aïe. Après toutes ces années, après toutes ces batailles, personne ne m'avait poussé aussi loin!
toutes ces années, après toutes ces batailles, personne ne m'avait poussé aussi loin. De merde. Son attaque là. Putain.
protéger là. Après toutes ces années, après toutes ces batailles, personne ne m'avait poussé aussi loin! Vers moi. Merde,
c'est mort, putain! Je ne voulais pas en arriver là. Si je me servais de cet arc, c'est que j'étais faible. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ménolias, je n'ai jamais voulu ce combat. Moi non plus, Sargon. Oh. Même triste. Ils sont en train de les achever un par un. Il a été chiant celui-là. Ménolias, mort par ma faute. Pourquoi l'histoire est faite ainsi?
Targon, écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse, Sargon. Je m'en occupe. Merci, Varam. Varam ? Et ouais, on change d'histoire. Vous êtes deux. Je vois. Tu as trouvé des plumes. Mes visions étaient donc vraies. Je ne connais pas tes visions. Mais je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Laisse, Hassan. Je m'en occupe. Varam, le lion blanc, ne mérite plus d'être un immortel. Et encore moins un roi. Sargon, attention! Oh ! Anahita, non! Non, n'y va pas. J'ai besoin de toi en vie. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien sans moi. Un chien errant ne mérite pas ses pouvoirs. Les plumes du Simorgue ne te sont pas destinées, ni à aucun mortel. Le Simorgue n'existe plus. Ses pouvoirs me reviennent. À moi seul. Oh. On est deux. Mon tour. Œil de la tempête. Régénérer, j'ai la haine. Sois témoin.
tempête. Dégage! Tiens. Sois témoin. Excès. Avec les limites. Mon fils, tu vas recevoir la bénédiction du Simorgh. Puis, selon notre tradition, je révélerai ton nom de roi. Puissant Simorgh, protecteur de notre peuple, moi, Darius, viens te présenter mon fils. Si tu le juges digne, un jour, il deviendra roi. Le règne de la dynastie Darius est terminé. Tomiris, que fais-tu ? Tomiris ! Non ! Ne meurs pas. Varam, tu dois vivre. Je préfère laisser ces titres insignifiants aux humains. Je ne fais plus partie de votre monde. Le Simorgh n'est plus. Il est de mon devoir de récupérer ses pouvoirs. Car celui qui les détient sera l'égal d'un dieu. Tu perds complètement le contrôle, Varam. Ses pouvoirs sont les miens de droit. Nous n'avons pas fini, Sargon. Anahita, pourquoi avoir trahi ? Elle ne l'a jamais fait. Mais quelle importance maintenant ? Elle a été dure avec nous. Mais elle a donné sa vie pour nous. Je sais ce que tu penses. Qu'est-ce que tu vois au bout de ta lame ?
Je crois que je comprends maintenant. Alors, la étoffe du temps. Un fusil d'infra, il le fait du temps. Puis, on s'étend avant une étoffe. Sur R1, pour plus sur ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je comprends. Hassan, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me croies. Sargon, je crois que tu es la seule personne en qui je peux avoir encore confiance. Tomiris, ta mère, a tué le roi Darius. Elle a usurpé le trône. Le Simorgue ne s'est jamais perché sur son épaule. Hassan, je suis désolé. Ne le sois pas. Je n'ai jamais trouvé qu'elle portait bien son titre, ni qu'elle soit une bonne mère. Le peuple a souffert depuis 30 ans sans le Simorgue. Par sa faute. Je suis désolé pour ta préceptrice, Anaïda. Elle m'a dit qu'elle avait suivi les ordres de Tomiris. Alors, Anaïta a été manipulée, tout comme j'ai subi des pressions pour sauver les apparences. Pourquoi m'avoir enlevé ? Il y a encore une chose. Je t'écoute. Varam est le fils du roi Darius. Tu penses que c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer ? Par vengeance ? Dans l'univers d'où vient Sargon, il est... Tout ce que je sais, c'est que maintenant on connaît son vrai visage. Il est peut-être l'héritier légitime, mais il est bien trop dangereux. Il faut l'arrêter. Tu as raison. Nous devons protéger le peuple par-dessus tout. Je peux t'aider avec ce que j'ai appris dans les légendes et les écrits. Varam a parlé de pouvoir. Cela signifie qu'il recherche le cœur du Simorgue. Il est derrière la porte du Simorgue. Mais pour l'ouvrir, il te faudra la clé des rois à la tour du silence. Alors je dois la récupérer. Hassan, tu m'aides plus que tu ne le crois. Bonne chance, mon ami. Elle est où maintenant? La clé du roi. Je pense que...
récupère la clé. Donc il faut que je redescende sur celui-là. Allez. Voir si t'as pas besoin de tous les supports de trucs pour. Thank you.
contre. Ok.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification pour pas louper les autres épisodes de ce Let's Play. Sur ce, à plus.